Facebook et cancer et par Eliane, deuxième vidéo parce que j'ai été coupée par un problème de place sur mon iPhone. Donc et puis en même temps par la pluie qui arrivait, donc je suis rentrée chez moi, j'ai vidé mon iPhone pour continuer à faire cette vidéo. Je vous la présente donc maintenant. Il me restait un troisième groupe à présenter, c'était cancer et mastectomie, non à la reconstruction. Donc j'adhère à ce groupe tout simplement parce que là c'est un engagement personnel. C'est une prise de position que nous ne sommes pas obligés de suivre toutes, mais sur ce groupe, ce sont des femmes qui ont eu, comme moi, une mastectomie ou deux et qui ont refusé la reconstruction. Donc, comme c'est mon cas, j'ai adhéré à ce groupe qui est un petit peu plus revendicatif. Voilà les trois groupes que j'aime facilement à suivre sur Facebook et avec le groupe Au délire du crabe. Je participe véritablement en relayant l'information, en commentant, parce que j'y trouve énormément de soutien, de complicité, d'entraide et de points positifs, généreux et de très bonnes idées pour faire vivre ce groupe. Voilà, alors moi je fais du blogging, moi aussi ça peut me prendre énormément de temps. Parfois je ressens le besoin de faire une pause parce que mon quotidien n'est pas toujours aussi simple que ça, surtout en ce moment. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai autant de douleurs. J'essaye d'y remédier, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, j'attends aussi mon scanner du 1er octobre et de mes résultats le 7. Voilà, j'écris aussi un petit guide sur le cancer que j'espère vous présenter très prochainement. C'était Eliane de mon blog anti-cancer pour une vidéo sur Facebook et le cancer, partie 2. Si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou téléchargez mon e-book « Mes premiers jus santé » pour recevoir ma newsletter. À très bientôt !